L'Europe se lance aujourd'hui dans une nouvelle bataille, celle de l'intelligence artificielle. On en parlait dès 5h40 avec Julien Pierce. L'Union européenne entend devenir le leader mondial en la matière. Les Européens, distancés par les GAFA sur Internet, veulent prendre un coup d'avance sur cette question de l'intelligence artificielle. La stratégie de l'Union européenne sera présentée par la Commission européenne dans la journée. C'est le nouveau défi de l'Europe, Isabelle Horry. Oui, cette fois, l'Europe pense avoir un coup à jouer parce que la matière première du futur, ce sont les données. Pas seulement nos données personnelles dont Google et Facebook tirent profit, non, les données produites par toutes les activités humaines. Elles vont nourrir les algorithmes des futurs objets ou voitures connectées. Écoutez le commissaire européen Thierry Breton. Nous allons avoir l'avènement d'un nombre de plus en plus important de données. La gestion de flottes de moyens de transport, la gestion d'un hôpital, l'automatisation de plus en plus poussée de chaînes robotiques au sein d'une usine. Tous ces éléments vont nous permettre de générer beaucoup de données. Ces données ont de la valeur à partir du moment où on sait les exploiter. La course est engagée avec les États-Unis et la Chine, mais l'Europe reste la première puissance industrielle au monde. Ses secteurs publics sont bien organisés. Bref, ces données économiques sont de meilleure qualité qu'ailleurs. Bruxelles veut donc créer le marché européen de la donnée, un cadre pour faciliter la collecte et l'exploitation de ces informations, mais un cadre qui devra aussi préserver l'éthique et la vie privée. Et puis l'Europe veut pousser les acteurs économiques à investir 2 à 3 milliards d'euros pour mettre au point les mini-serveurs ultra-rapides qui traiteront cette matière première et qui, in fine, changeront notre quotidien.